Salut! Je parle pas trop fort parce que ça doit raconter. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous emmener avec moi pendant 2 jours, donc aujourd'hui et demain. Parce qu'aujourd'hui, il y a Rare Beauty qui nous embarque avec Astrid pour passer un petit week-end pour découvrir les nouveautés. Donc ça va être super sympa. J'ai pas du tout le programme, ça va être surprise, donc je vais vous emmener avec moi. Là, je vais faire mes lèvres. J'utilise de chez Make Up For Ever le Artist Color Pencil en teinte Universal Earth. Donc ce matin, il y a un chauffeur qui va venir nous chercher à 10h, nous amener directement là-bas. Je crois qu'on a 1h30 de route. J'adore ce combo lèvres. Le crayon marron plus le lip oil de chez Rare Beauty en teinte Serenity, regardez. Trop beau. Petite tenue du jour. En mode super confortable. On va bientôt partir. Nous sommes partis. Nous avons 1h. 30 de route. Tu vas faire où on est? Non. On va dans... Je sais pas. On va à Bonnel. Dans un... Comment ça s'appelle? Un campus. On va dans une ferme qui s'appelle le Barn. On est arrivé. Bonjour. À peine arrivé, la voiture nous a déposé. On est dans une petite voiturette. Moi j'ai dit un tuk-tuk. On a dit un tuk-tuk. Je sais pas où on va. On va où, monsieur? On va voir les chevaux. Ah ouais, il y a des chevaux. C'est vraiment la ferme. Oh, ils sont tout petits. Ah, oh, ça va être trop bien. C'est parti. Rare Beauty. Attendez, ça peut pas trop faire le focus. Oh, cet appareil, mais il va me rendre folle. Regardez comment c'est trop mignon. Et regardez la table énorme là-bas. Je pensais pas qu'on allait être autant, j'avoue. Taste test. Avant le check-in. Alors, nous avons 3 produits. Nous avons un Fine Comfort. Pose et apaise. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûre que ça sent la lavande. Ah ouais? Ouais, c'est vrai que c'est une petite gueule de lavande. Ah, ça c'est crème hydratante et apparemment le packaging il est fait pour masser tes mains comme ça. Ah ouais? Ouais. Et ça c'est quoi? Lait corps. Et il y a une brume aussi. Là-haut. Là-bas. Bah, elle sera pas là. Selena. Tu te sens comment dans ce monde où on doit être sociable? Bah, ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu autant de monde comme ça. Ouais, il y a beaucoup de monde. Ah, merci beaucoup. Ah, et même les pulls, on va avoir des pulls et des jogging. Alors Richard, il teste les produits, les nouveaux. Moi, j'adore l'odeur. Sympa. En tout cas, les packaging sont stylés. Par contre, c'est hilarant d'avoir fait ça, genre c'est improbable. Mais c'est quoi, c'est Rare Beauty Skin du coup? Rare Skin? Non, c'est Rare Beauty, je crois. C'est vrai, elle a fait make-up et là, c'est pas. Make-up, moi je pensais qu'elle allait sortir du soin visage. Soin visage, ouais. Par contre, c'est génial. Mais c'est sûr, après ça, elle va sortir un nettoyant visage. Mais c'est drôle d'avoir commencé par le corps et après le visage. Normalement, c'est l'inverse. Alors que penses-tu des produits, Richard? Incroyable, je suis même pas payé pour le dire. Et collaboration commerciale, nous sommes invités. hashtag. Invitation, hashtag produit offert. Non, c'est sympa. Bah, déjà, les packaging sont beaux. Je trouve que c'est beau sur un lavabo. Ouais. C'est vrai. Regardez là, en plus elle bouge même pas. Tiens, elle va faire un effort en terre. C'est les gens, elle est comme ça. C'est les anciennes des YouTube, ça filme comme ça. Les darons, elles sont épuisées. Alors, nous n'avons pas de programme, mais Auria, ici présente, elle m'a dit qu'on va faire du cheval. Il y a des bottes. Des bottes? Bah, j'ai des bottes, mais il n'y avait pas que des poneys. Ouais, mais on va les écraser, les pauvres! Oh. Non, si on fait du cheval, vraiment, je suis trop contente! Si on fait pas de cheval, rien! Regardez, il y a plein de chevaux là-bas. Oh, il y en a un qui est allongé, trop chou! Bon, ouais, on est arrivé à la chambre d'Astrid, la mienne n'est pas encore prête. On va faire house tour. Oh, oh, les bottes, Astrid! Avec le sac et tout! Oh, c'est trop chaud! Incroyable. Là-bas, il y a un énorme logo Rare Beauty dans le lac. Stylé. Ah ouais, on est vraiment dans les chevaux, là. Oh, ah bah, regarde, ils nous ont donné un tote bag. On peut faire une vraie... Ouais.
Oh, la serviette et tout, Astrid, non, trop bien. En fait, on a une chambre chacune, on pensait qu'on allait dormir ensemble, mais on a une chambre chacune. Mais on pourra dormir ensemble de toute façon. Trop stylé. C'est un lit de place, le bain, il est énorme. Waouh. Non, mais la vue, non, c'est la vue, tu te réveilles. Je suis bien arrivée dans ma chambre, c'est trop beau. Là, je mets les vêtements qu'ils nous ont donnés. Le bas, avec le pull Rare Beauty. Ils nous ont donné un bonnet aussi. Et après, je vais partir manger. Regardez les petites bottes. Trop chou. Je vais mettre ça, je crois. Oh, c'est super cute. J'adore. Regardez, dans la salle de bain, il y a des produits Rare Beauty. Je suis trop contente. Mascara, blush, fond de teint, base. Oh, trop bien. Damien en action. Elle est énorme, la table. Et là, il faut trouver nos blazes. Oh, mais regardez, c'est trop chou. Voici le menu, ça a l'air super bon, lasagne, chou-fleur, quiche, voilà voilà quoi, franchement ça va sans jaille. Oh regarde la lumière comme elle est trop bien. Bah après je sais pas t'as assis toi. Tu veux sparkler une plate? Putain bah nous on est là, c'est d'ailleurs. De base j'étais pas à côté d'Astrid, mais vas-y. Regardez la table comment elle est énorme. Alors nous avons une petite quiche Lorraine en entrée, elle a l'air méga super bonne, franchement j'adore. Hello à tous, je présente Chloé à ma gauche, vous dire un petit discours d'arrivée. Ouais. Allez Chloé. Yes. Allez. Bonjour tout le monde, moi je suis Chloé, je travaille pour Rare Beauty, je suis basée à LA pour ceux qui savent pas, j'ai rencontré certains d'entre vous à des événements qu'on a eus, à l'événement d'octobre, il y a certains d'entre vous que je connais pas, donc j'ai hâte de faire votre connaissance. Merci d'être venu, on est ici pour Find Comfort comme vous le savez, donc prenez le temps de prendre soin de vous, de vous sentir bien. Il y a des activités super cool sur l'itinéraire, on a de l'aromathérapie, on a de la communication avec des chevaux, il y aura des massages aussi pour que vous puissiez découvrir les produits. Donc voilà, profitez, prenez soin de vous, on est là pour passer un bon moment et être à l'aise, donc voilà. Merci d'être venu. Merci. Regardez ça, vient d'arriver à table des frites de patates douces. Oh là là, elles sont la trop bonne. Vas-y, test. On a retrouvé Mathilde en train de buzzer là. Ah merde, putain, j'ai grave filmé ta bouche. Ça va toi? Ouais, c'est bien. Est-ce qu'on passe un bon moment sur cette chaîne? Si on passe un bon moment, fais un petit commentaire pour le dire, ça fait toujours plaisir. Alors là, on parle d'âge. Cindy, ici présente, elle nous dit quoi? Elle nous dit, mais vous avez 1 ou 2 ans d'écart. Mais attendez, je suis désolée. À quel âge on a un an? Tout le temps croisé quoi, je veux dire, c'est qu'aujourd'hui que je réalise qu'il y a 8 ans d'écart entre les deux. Et là je dois départager laquelle déjà et la plus vieille, c'est pas très sympa. Et en plus deviner qui a quel âge. Non mais déjà tu nous donnais quel âge? Franchement vous deux, je sais pas, 24-26, tu vois, dans cette tranche. Bah c'est ouais. Ouais. Ou alors... Ah mais tu pensais qu'on était plus jeune que toi? Mais oui. Mais je sais pas pourquoi. J'ai enfin, du un problème. Très petit. Non là, c'est pas vrai. J'ai 22. Elle a 22. Tu m'en rencontres à ton âge? Oui, mais c'est ça que je me suis dit. Bah oui, j'ai 22 ans. Comment ça, un an d'écart, ça veut dire que je fais 27 ans? Mais tu fais archi mature toi aussi, en toi, tu prends pas. Ouais, c'est vrai. Oh, merci. Mais bien sûr. Ouais, mais elle était plus jeune. Mais pour moi, tu fais pas depuis longtemps. Parce que dans ma tête, t'as 23 ans. Ah ouais? Mais grave. 22, ouais. Je sais pas. Moi j'ai 30 ans. Ouais mais tu l'étais pas non plus en fait, c'est pour ça que j'étais en mode. Et dans ma tête t'étais plus âgée qu'elle. Ouais c'était la petite sœur, je sais pas pourquoi. Ça va. Oh, quoi? Dans ma tête ça s'est mélangé. Mais ça veut dire que ça veut dire que j'ai 31 ans normal. Quand j'aurai son âge, et bah, tu serais plus vieille que déjà. Non parce que je pense que tu vas pas, c'est pas un vieillissement faux, c'est pas ça qui me fait dire ça. C'est votre physique en fait, juste j'ai l'impression, j'ai plus en fait dans ma croyance à moi, ça a toujours été sa petite sœur. Alors qu'on se croise, on s'est croisé, c'est trop bizarre d'être comme ça. Ah, mais c'est trop marrant. J'avais une croyance pour celui-là, plus vieille. Ah, Astrid, lui, ça se voit, il veut venir nous voir. Là-bas, quoi. Ouais. Ils sont trop curieux. Ils se disent, putain, mais c'est qui eux? C'est qui eux habillés tous pareils? Bibou, Mimou.
Et là, il nous graille la main. Oh, ouais, il me sort de l'air chaud avec ses narines. Je peux te caresser? Wow, non? Il a l'air d'être grave social. Wow. Et là, il faut un gros coup de tête. Je te jure. Je me suis changée parce que... en me lavant les mains, bah, j'ai appuyé sur le truc du savon et ça a giclé comme ça sur mon pull. Du coup, bah, je l'ai lavé, mais il est mouillé. Donc je me suis remis en tenue comme ce matin. Là, je vais rejoindre Astrid. On a un cours de aromathérapie, je crois que ça s'appelle. Pour voir ce qu'il y a un peu même dans les produits... dans les produits rares et tout. Ça te va, c'est touc touc touc. Mais donne de l'herbe, donne de l'herbe. Donne-lui de l'herbe. Oh, okay. Il s'en fout de l'herbe. Hein, par contre, moi j'ai peur. Donc vous venez... Mais non, sans déconner, est-ce que... Attention, vous c'est un peu électrique. C'est électrique. Ouais, faut pas toucher, faut pas toucher. Ah bon, j'ai touché, ça m'a rien fait. Bah, un petit peu en fait. Vas-y, mets ta grosse main dessus. Non, ça va. Mords le doigt au nez. Mais chérie, mais non. Non, non, quand tu donnes à manger, faut que tu fasses comme ça. Ah ok, comme ça. Ah ouais. Là c'est... Non, mais pas peur, ça fait... Comme ça. Tu vas sentir sa langue et tout. Il est la moitié de la main. Je te jure. Doucement, doucement, s'il te plaît. Bec, il va te croquer la main, il va te croquer la main, il va te croquer la main. J'ai peur. Le pauvre, tu l'as feinté. Activité cheval. Oh, bigou mon cœur. Coucou mon amour. Là. Ah, ok, je t'avais pas vu, pardon, je l'en mets. Donc dès qu'elle me regarde, je vais relâcher un peu la pression et dire bah ouais, ok, ce que je voulais, c'est que tu viennes vers moi. Je vais laisser un peu venir. Et là, c'est plus facile pour aller dire bonjour, caresser. Elle écoute trop bien. Mais qui t'a mis à côté? Trop mignon. Alors là, Amélie, elle va dompter un cheval. Ah oui, c'est... En fait, quand t'es avec les chevaux, tu vois, tu penses à rien d'autre. Je pense qu'à la saison des ducs, moi-même, j'étais aventureuse. Vas-y, dompe-le. Je vais te murmurer alors. La sensation, j'ai jamais vécu ça. Ah ouais, ça reste un animal. Regarde, il te suit. Non, c'est bien, ouais. Vas-y, continue. Tu au milieu. C'est bien. Voilà. Après, tu t'arrêtes. Quand tu veux qu'elle s'arrête, tu te grandis, tu vois, pour marquer bien le... Voilà. Très bien. Par contre, voilà, dès qu'elle a donné la réponse, tu te relâches. Ouais. Très bien. Incroyable. Galop maintenant? Ouais, galop. Ouais, continue de demander. Tu peux agiter un peu ton drapeau s'il y a besoin. Jusqu'à ce qu'elle parte au galop. Allez, bouge plus le drapeau. Oui. Parfait. Voilà, pour l'arrêter. Ouais, tu recules tes pieds, tes épaules. Encore, encore, encore. Ouais. Voilà. Et là, tu grandis pour qu'elle s'arrête. Alors. Ouais, là, elle te suit, elle est très connectée avec toi, c'est bien. Maintenant, il faut qu'elle se décolle de toi. Cheval. Galop. Vas-y, galop, galop. Waouh, waouh, waouh. Oui, parfait. Voilà, et quand tu sens qu'elle est bien, tu peux lui demander le galop et tu recules tes pieds, tes épaules. Voilà. Et là, recule tes pieds, tes épaules. Encore, encore. Ouais, continue, continue. Encore. 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 Oui. Bien. Bon, du coup, c'est l'heure du dîner. Je vais descendre dans la chambre d'Astrid. Je me suis changée vite fait. J'ai ramé des talons, mais MDR, comment je vais pas aller en talons? Vu comment dehors, c'est en mode air un peu et tout. Genre, mes cheveux, j'ai pas retouché mon make-up non plus. Il date de ce matin, mais ça va. Il est frais quand même. Non, j'ai juste refait mes lèvres. Pardon. J'ai fait un TikTok de tous les giftings qu'ils nous ont donné. Franchement, ils nous ont donné plein de trucs.
mais trop trop bien. J'aime trop le plaid et tout, genre j'ai trop hâte de l'utiliser. Je vais y aller sans manteau je pense parce que de toute façon c'est à côté. Et ce soir au programme il y a écrit cinéma, home cinéma et feu de camp. Trop stylé. Regardez la table du soir, comment elle est trop belle. Influenceuse du like, ça a l'air trop bien ça. Super cute. Et là, il n'y a pas le menu. Ah si, tempura, starter, fried chicken. Regardez. Ouais. Alors on a ensuite en starter petite terrine. Nous avons en entrée une soupe à l'oignon. Oria, il a dit que c'était très très fort en oignon. Ah ouais. C'est un grand monsieur. Bon. Ah ouais, ça va. Je trouve pas si fort. Je trouve pas ça si fort que ça. T'as du pain sur les cheveux. Le café. Ah, c'est trop bon. Ouais. Là c'est tiramisu, il est énorme. Wow. Et là-bas, cheesecake. Tu veux un morceau de cheesecake? Merci. Ouais, bon. Merci beaucoup. Merci, vas-y, on teste. C'est trop, non, je rigole. Ah non, c'est la mousse parfaite. Tu veux ça? Astrid, 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 tu vas faire de la merde. Oh ok, c'est bon. Bon là, c'est en mode feu de camp. Mais chamallow feu de camp. On va sentir le cramé. Astrid, elle est en mode chamallow grillé aussi là. Elle en a mis 4, je sais pas comment elle va bouffer ça. Bélec tes lentilles Astrid, ça va fondre dans tes yeux. Direct. Test test. En fait c'est pas parce qu'il est cramé, c'est parce qu'il est moins bon. Non mais il y a que le cul qui est cramé. Franchement je suis bien. C'est dans la boîte ça. Bah je m'en fous hein, moi j'ai l'alcool hein. J'assume. Il faudra juste que tu écrives avec ta loi d'influence. Il y a plus d'alcool, est dangereux pour la santé. Ah c'est bon, j'ai pas besoin de l'écrire. Si tu reçois 200 euros de gifting, tu dois dire entre 2-3 conversations d'impôts. T'as soif? C'est mon chaudron. Ah si, y a pas de problème. Alors là on est en mode movie theater. Ouais. Rien à prendre, t'as un train à prendre demain. C'est combien jusqu'à chez toi? 3h? Fais des prends. Oh c'est trop mignon. Vraiment flemme. Mais regarde, en plus t'as des petits sachets. C'est trop cute. T'as pris quoi? All. Alors ça. Tu vas jamais en mode à l'américaine. Ouais, quand t'as des règles, c'est bon ça. Moi popcorn. Fun là dedans, t'as vu la tête. Mais moi je rien à de voler. Sérieux. Mais j'étais ça. Fun size. Alors, ah, ouais, c'est pas... Marketing, j'aimerais qu'on discute. C'est pas très fun comme size. Hein. C'est hyper fun. Elle met la main à l'ancienne. Fun size. T'as cru que t'étais youtubeuse beauté non, ou quoi? T'es dans le crime maintenant. Fun size, ça n'a rien de fun. Good morning. Il est quelle heure? Il est 10h et quelques. Je me suis préparée, je me suis pas beaucoup maquillée. J'ai juste fait mon teint, mes sourcils parce que j'avais trop la flemme. Maintenant il y avait le petit déj, mais je suis pas allée parce que j'étais trop fatiguée et on s'est couché tard. Regardez la petite view. Trop beau. À 11h, on a une activité sonore. Je crois. Bon, une heure. Et après on rentre. C'était rapide. Il n'y a pas eu Selena. Moi je pensais que Selena Gomez elle serait là. À chaque fois que je suis allée à un event Rare Beauty, bah, il y a toujours eu Selena Gomez. On va finir les affaires. J'ai trop de trucs à prendre. J'ai trop de gifting. Alors là, petite séance de sonore. Avec Astrid et Damien. Peut-être dans le hic. Ah ouais, là vraiment, je phase. Regardez Fabien là-bas. Il est en PLS. Il est au bout de sa life. Qu'est-ce qui vous fait chier? De quoi vous avez ras-le-bol? Tellement de choses. C'est l'heure de partir, là il y a tous nos vannes qui nous attendent là. Enfin, ils envoient tout le monde à Paris, nous on va rentrer chez nous. C'était bien ce petit séjour? Ouais, c'était grave bien, regardez, j'ai une nouvelle doudoune. Ouais. On savait même pas qu'il y en avait une en fait. Je sais que je t'ai jamais vu en doudoune genre. Ouais, et elle était dans le placard en fait. Et ouais. Dit, ouais, mais il y a une doudoune. Oui c'est vrai. Ça n'est pas mon coup. Ouais. Et le bonnet aussi trop bien. Ouais.
Franchement, ils ont géré. Bon, j'ai oublié de terminer le vlog, mais j'espère que ce vlog vous a plu. C'était trop bien, franchement. J'ai pas l'habitude de me sociabiliser avec la race humaine, mais franchement, ils étaient tous trop gentils, hyper fun et tout. Genre, on a passé un trop bon week-end. Enfin, c'était quoi 24 heures. Ouais, en vrai, c'était 24 heures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis cernée comme jamais. J'ai un gros bouton ici, c'est pour ça que je me mets comme ça. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Merci Rare Beauty, merci Nicewear pour l'invitation. Collaboration commerciale, invitation. Voilà, comme ça j'ai pas de problème juridiquement parlant. Je vous fais plein de bisous.